Alors la pépitière s'est créée en 2017 sur une zone agricole au ras de Sarzeau et elle a été montée par des paysans installés qui voulaient sauvegarder la terre de l'urbanisation et éviter que ces terres soient artificialisées mais que du coup elles redeviennent terres nourricières. Le but de l'association c'était d'accueillir des porteurs de projets en agriculture et en artisanat en leur permettant d'avoir un atelier sur site. Et très vite, on a ouvert une boutique de créateurs et de producteurs pour du coup écouler nos productions et nos créations. Et on a développé l'accueil au public en faisant des événements, mais aussi en proposant tout au long de l'année des ateliers. Alors les fonds Leader nous ont permis dans un premier temps d'acquérir des outils pour entretenir le site, de participer au financement des loyers et dans un troisième temps d'avoir un accompagnement réalisé par la Marmite pour définir les objectifs de la pépitière et que ces objectifs soient bien partagés par tout le monde et qu'on les partage auprès d'un large public. La pépitière porte et partage des valeurs telles que l'écologie, le réemploi, le partage de savoir-faire, l'agriculture bio, les productions locales, le respect du vivant sous toutes ses formes, la bienveillance, l'entraide et la solidarité entre ses membres. L'association organise de nombreux événements tout au long de l'année pour essaimer ces valeurs et les partager avec le plus grand nombre. Alors si comme nous, vous voulez faire appel à des subventions Leader, n'hésitez pas à faire appel à l'équipe Leader de l'Entente du Pays de Vannes, ils sauront bien vous renseigner.